monsieur le maire. Alors il y a 150 ans, c'est ici qu'une météorite est tombée sur ce lieu? Oui, il y a 150 ans environ, une terrible météorite s'est abattue depuis les cieux sur ce cratère désormais devenu un lac. Mais ce lac ne serait pas irradié depuis? Mais si, regardez. Les animaux sont tous morts, il n'y a plus rien, et on voit les sévices de la maladie ici. C'est vraiment terrible. J'ai bien l'impression qu'il se passe quelque chose ici. Tim. Salut, moi c'est Tim. Eh, hey, tu me la piques pas. Non, pas sur quoi je suis, t'inquiète. Alors? Non, y'a plus de chance. Bon, je reviens de Rennes, là, je suis flingué 4000. Mais bon, je viens ici pour mettre au vert, quoi, la cool. Pour ton arrivée, j'ai ramené v'là les potes, par contre. Ah ouais? Ils arrivent bientôt? Ils arrivent ce soir. Ouais, ça va être sympa. Du coup. Ouais, j'ai passé 2 semaines à Rennes là. T'es arrivé il y a 10 minutes? Ouais. T'es venu comment, en train, en voiture? Ouais, avec ma caisse. Ah ouais, au calme. Au calme, t'as pas abusé sur la route? Je t'avoue, j'ai un peu flippé sur la route. On m'a dit genre, ouais, plus qu'il y a des trucs qui se passent en ce moment. J'ai vu ça sur internet, mais sur des vieux sites de complot à la con, donc j'étais pas sûr. Non, mais c'est complètement fou. Ouais. Moi, je sais pas, Tim, il m'a dit qu'il y avait peut-être du vrai là-dedans. Après, Tom, il pense que c'est faux, donc moi, là-dedans, je me. Non, moi je sais pas, Bah non, ils ont pas retrouvé des espèces de petits crapauds de merde, j'ai vu une image sur un vieux blog à la con, genre Skyblog, donc j'étais là. Ça c'est ce qu'a rodé sur le web, ça. Ça sur la toile, on a vu des petits crapauds, on a vu des larves, on a dit que des gens étaient malades. En attendant, moi Gus, je suis là depuis 6 ans. J'ai jamais été contaminé. Mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que je suis mort? Mais il y a des trucs radioactifs, ça dure sur 40 ans. Et c'est possible. Tu classes comme ça au bout de 40 ans sans t'en rendre compte. C'est possible. On verra bien. Tous, on tous mais après, des années, moi je pense que plus Célèque est ça. Toute ta vie comme un chien, et bam. Là tu vas te faire niquer à cause d'une météorite à la con qui est. Bah, une météorite, oui, mais c'est pas Jurassic World là. On est dans la vraie vie là. Y'a pas de larves extraterrestres qui tuent les gens. On est dans la vraie vie. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, ça me rassure les gars. En tout cas, t'as l'air bien sympa. Ouais, bah ouais, c'est ce que les gens disent en général. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon, ça va saigner, est-ce que tu piges? Hôtel, majeur en l'air sur la piste. MC, gardez la pêche, vous n'êtes pas sur la liste. C'est pas la rue, mais la fille. En fait, t'avais déjà entendu parler de cette histoire de météorite? Ouais, c'est encore une vieille histoire, tu sais, que les anciens bien raconté. Il y a une météorite qui est tombée, bon, ça c'est vérifié, qui est tombée dans le lac. Bah ouais, dans le lac là-bas, c'est le cratère, le lac c'est formé à base d'une météorite. Et selon la légende, il y a genre une larve qui serait, larve cosmique qui serait arrivée avec la météorite. Et les anciens aiment bien dire que tu pourrais te transformer en poule tueuse, enfin, si tu veux mon avis. C'est encore un ramassis de conneries, mais bon. Mais du coup, tu dis là, ta rumeur de larve cosmique, ça fait quelque chose sur l'humain, ça? C'est au début du 20e siècle, il y a des disparitions étranges dans le village. Le curé, d'accord, à l'époque, a noté un comportement étrange venant d'une personne qui deviendrait un peu folle. Mais enfin, on est sur des symboles de folie. On est sur c'est les descriptions de l'époque, on peut pas non plus. Tu vois, c'était pas avec un médecin qui est venu. Il y a des gens qui ont disparu. Une connerie, quoi. 6 ou 7. Ça fait écrire des histoires, ça fait parler des gens. Même niveau que la bête du Gévaudan, quand même pareil. C'est Yeti, quoi. Ouais, d'accord, pareil. Ok. Je vois bien le délire.
Alors les mecs, vous en pensez quoi de mon cousin? Il a pas eu une année facile en plus. C'est vrai? Non, ça va, c'est un mec super super chillos, il a l'air de vachement se marrer. Enfin, le nombre de filles qu'il doit se taper, c'est dingue quoi. Bah écoute, moi j'espère surtout que, je sais pas, ça vous plaît de plus dans ma livraison, tu sais, genre, on a tourné déjà, taper de Marcel, si je dois me taper de cousin en chelou, là, je pense à me faire chier. Il est passé où Chris depuis tout à l'heure? Ça fait une heure que je le cherchais, je voulais fumer un gros et puis il est pas là. Bah je sais pas, j'ai pas... Chris! Tout à l'heure je l'ai vu. Oui. Chris! Chris! Ramène-toi! Ouais, Chris, mais. Ouais, je fais une petite douche. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, on met pas une heure à prendre une douche, frérot. Il te reste un peu dans le coin de l'oreille, d'un peu de merde. Je sais pas si t'as pas. Mais ouais, t'as de l'argile sur l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment t'as fait de la merde. Je sais pas comment. C'est vraiment sale, hein. Bah, j'ai jardiné pas mal cet après-midi aussi. Ouais, c'est bon, hein, c'est sandwich là. Franchement, elle est pas belle cette bidoche. Elle est bonne cette barbaque, non? Délicieuse, mon gars. Ouvrez une bouteille, Yannick. Ouais, ouais, il s'agit d'entamer la prochaine. Mais il s'agirait au moins de l'ouvrir, qu'elle commence à respirer. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi le Kébernet. Non, c'est des corps de. C'est vraiment une petite éclate au monde. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Oh Chris!
viens de chiller un peu. Merde, mon gâteau. Ouais, Jude. Yo man. Qu'est-ce que j'ai entendu? Putain, et du coup, Rennes? Ouais, Rennes, j'en peux plus. Délire. Oh, c'est délire, Rennes. Concert sur concert, on a fait les singes. Ouais. On s'est miné la gueule comme pas possible. Comme c'est parti, c'est juste ce que j'avais besoin. Ouais, tout. Donc... Ça te dit de jouer un petit jeu, Gus? Bah ouais, moi je suis toujours prêt à jouer à un jeu, mec. Ouais. J'adore les jeux, mec. J'étais le meilleur quand j'étais petit. Au jeu? Vas-y, jeu là. Vas-y. Faut que je mette comme ça aussi? Ouais. Tu plonges la tête sous l'eau et tu la gardes le plus longtemps possible. Ok. Frôler les limites de la mort, jouer avec elle, et s'en sortir. 3, 2, 2... I love you, baby.